à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. On sait comment remettre les morceaux en place après. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Merci, quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez-les avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons et des sacs poubelles ici. Je sais bien que pour vous, 60 dollars, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse?
Bienvenue au centre d'enrichissement. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore deux, trois trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement, on va déterminer si les sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive, et on fait les expériences. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, tu veux ? Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, en les couvrant avec dents pour dents. Essaie un peu de te relever maintenant, traîner. Je vous jure, l'avenir traînera le jour où elle a osé faire trébucher Kev Godson. Tu sais qui je suis?
Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. J'ai ordonné à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin, bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis, et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui la main. Bien, mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Pas le temps, monsieur.